Et c'est parti à la faute là-bas, voilà, ça profite à Johan Guigeot, la petite Polo, coach numéro 7, se retrouve désormais en tête, devant David Petitin, l'espèce de Nix, et Wilfried Bonafou, et la 306. Moi je serais le bouquet que la Polo soit première, oh non. Elle piquette à la mégane. Non, c'est pas la mégane, c'est là. Et qui va m'entendre. C'est chaud là dans le virage, tout le monde arrive en même temps. Et voilà, on fait de la poussette. Et ça profite à Louis Pousselet, ça descend 5. Il s'empare de la tête de la course. Allez, reprends, allez, 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 allez. Allez, allez. C'est gros, hein. La motricité de la 205 fait un peu la différence à la réaccélération là-bas. Il la reprend. Et donc, Pousselet avec son numéro 104 a repris la première place. Johan Guigeot donc toujours second. Allez, resserre la corde. Oh merde. Troisième place, c'est David Petitpa avec sa Zenix juste devant. Allez, le numéro 18 de Florent Florian-Potreau. Marcel Bachelier vient sauver à la bagarre pour la troisième place. Ça y est, il l'a. Il reste deux tours. Deux tours à faire. La ligne d'échappement complète. Encore. Vous allez l'entendre passer au prochain tour. Oh. Le Pousselet donc toujours en tête. Avec Johan Guigeot qui fait ce qu'il faut pour revenir. Marcel Bachelier en embuscade à la troisième place. Il y a bien pour l'instant. Ah, on l'entend bien, je pense que c'est numéro 10 de Florian-Potreau. Dernier tour.
passe. Allez, reprends. Marcel Bachelier s'est emparé sur la seconde place au dépens de Johan Guéjo. Luc Rousselet, toujours en tête. Marcel Bachelier à la seconde place. Il n'a rien.